L'homme qui a travaillé à promouvoir le festival et le cinéma tire sa révérence en plein FESPACO. Donc, ce qui m'aide à parler de l'actualité du FESPACO, où le président, une actualité marquée par l'hommage du président du FASO au cinéaste présent à Ouagadougou pour la 24e édition. Au cours du dîner que les professionnels du 7e art ont eu avec le président du FASO, ils ont demandé à Michel Kafando d'être leur porte-parole auprès de ses pairs. Le point de ce dîner avec Karim Patrick Namouanou. Le cinéma a réuni les festivaliers à Ouagadougou. Ce cocktail les rassemble au palais présidentiel. Une opportunité de retrouvailles, un tremplin pour immortaliser les rencontres avec les autorités de la transition. Au-delà du volet festif, les retrouvailles autour des tables sont des cadres d'échange pour les cinéastes. Regroupés au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, ils ont saisi l'occasion du dîner pour solliciter davantage de soutien de la part du gouvernement burkinabé. Ce que j'envisage avec mon équipe, c'est non pas de construire une industrie cinématographique à l'échelle d'un pays, ce n'est pas à la portée de nos moyens, mais c'est de le faire à l'échelle régionale. Avoir une grande école de cinéma par région, avoir une structure de post-production par région et avoir des salles de cinéma. Parce que nous ne pouvons pas continuer à aller finir nos films en Europe et en Amérique. Certaines doléances exprimées 2 ans auparavant commencent à trouver des débuts de solutionnement. C'est le cas des fonds d'aide et d'appui aux initiatives cinématographiques. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que des efforts sont faits et par notre union et par plusieurs États pour la création de ce fonds. Pour les pays, l'exemple nous vient du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de bien d'autres pays. D'autres initiatives sont en cours au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Mali, etc. Comme vous le voyez, c'est un bon début, mais nous ne devons pas lâcher prise. C'est pourquoi je suis persuadé que le président de la transition, président du FASO, va continuer, et ce, dans la limite que lui réserve donc le temps de la transition. Des doléances ont été exprimées, des promesses ont été faites pour soutenir le cinéma africain. C'est la preuve que le 7e art en Afrique fédère les ambitions des cinéastes et des États africains. Et c'est hier jeudi qu'a eu lieu la première projection de l'un des films les plus attendus à ce FESPACO, Timbuktu. Timbuktu de Abderrahmane Sissako a fait salle comble. Mais de quoi parle ce film du réalisateur mauritanien? Comment le public de Ouagadougou a accueilli ce film? Des réponses dans ce reportage signé Eleonore Ouédraogo. 16h moins le quart lorsque nous arrivons au ciné Burkina pour la projection de Timbuktu, le film du mauritanien Abderrahmane Sissako, prévu pour 18h. Déjà, c'est une cour de cinéma pleine que nous retrouvons avec un impressionnant dispositif sécuritaire. Après plus de 2 heures d'attente, nous accédons à la salle déjà comble. Il ne reste plus que les allées pour les nouveaux arrivants. Après les remerciements du réalisateur à l'endroit du gouvernement burkinabé pour le maintien de son film à la 24e édition du FESPACO, place à la projection. 1h40 de film pour faire découvrir le quotidien des habitants d'Tombouctou depuis l'occupation des djihadistes dans cette partie du Mali. Suppression des activités ludiques, changement d'habitudes vestimentaires, privation de liberté et application de la charia, telles sont les nouvelles lois qui régissent Tombouctou sous la supervision de la police islamique. Une situation qu'a tenu à raconter Abderrahmane Sissako sous forme de fiction pour attirer l'attention de la communauté internationale. Lorsque Timbuktu a été pris en otage par des gens dont la plupart sont venus d'ailleurs, et c'est un choc pour moi et en tant que Sahélien, en tant qu'Africain, tout simplement en tant que humain. Et donc je ne pouvais pas rester en marge de ça. Je pense que j'ai voulu jouer mon rôle, qui est le rôle de résister, ce qui est le rôle de dénoncer toute forme de barbarie qui puisse exister. Les cinéphiles qui n'ont pas marchandé leur présence au cinéma apprécient diversement le long métrage. Oh,
Beaucoup d'émotions. Moi, je n'aime pas des films qui se terminent comme ça. J'ai tellement entendu parler de Timbuktu. Il est beau, hein, il est beau ce film, mais il ne m'emballe pas. Alors, à regarder le film et à suivre l'évolution du film, si religion devait être de cette manière, je crois qu'on aurait eu tort de croire à Dieu. Ben, c'était un film très poignant, très intense. Et l'histoire, c'est une très belle histoire et c'est à voir absolument. Je trouve qu'il ne dénonce pas assez et que les gens paraissent... Non, pas les gens. Ça les fait trop passer pour des gens un peu trentis à mon goût, alors que je pense qu'ils sont 10 fois pires que ça. Après RMA Kono en 2007, Abderrahmane Cissako vise l'étalon de Yenenga à cette édition avec son film Timbuktu. Mais déjà pour lui, l'engouement des festivaliers est une récompense. J'ai jamais été aussi ému et bouleversé et touché. Donc pour moi, cette projection est une victoire en soi. C'est mon palmarès, je dirais. Timbuktu a déjà reçu des distinctions au dernier festival de Cannes, dont le prix du jury. Et à Ouagadougou, il est en compétition dans la catégorie long métrage. La clôture de cette 24e édition du FESPACO interviendra demain samedi et c'est le président du FASO qui présidera cette cérémonie au Palais des Sports de Ouagadougou. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Le carnet d'audience du Premier ministre était fort chargé hier. Yacouba Isaac Zida a reçu 4 invités. Il s'agit de l'ambassadeur de Cuba au Burkina, du président du groupe France-Burkina, du délégué de la région Wallonne en Belgique et du président de l'UPC. Les points d'échange étaient divers et variés, mais tous veulent aider le Burkina Faso à réussir sa transition. C'est avec le président du groupe d'amitié France-Bruxelles qu'on débute cette série d'audiences au Premier ministère. Il est venu s'imprégner de la situation politique du pays et apporter soutien au gouvernement pour le bon déroulement des scrutins. L'objectif aussi de renforcer les liens d'amitié entre la France et le Burkina. Nous avons une conversation très intéressante sur la transition, sur évidemment la relation franco-burkinabé qui est très bonne et sur la façon dont... les uns et les autres souhaitent accompagner le mouvement de transition qui nous mènera aux élections du 11 octobre. L'ambassadeur de Cuba est venu annoncer son ambition de contribuer au développement du Burkina dans les domaines de la santé et de l'économie. Et nous sommes ici pour, avec l'engagement de contribuer à la coopération dans les domaines de la santé, l'éducation et du sport. L'audiovisuel est le point qui a été abordé par le délégué de la Fédération Wallonie de Bruxelles. Il a aussi témoigné sa solidarité dans le processus de transition. Nous avons commencé aussi pour beaucoup par la culture, dans toute sa diversité d'activités artistiques, notamment à travers le cinéma et l'audiovisuel. On a en tout cas souhaité bonne chance au Premier ministre pour que la transition poursuive son chemin. Je pense qu'elle a très bien démarré. On le disait avec l'ambassadeur que la transition était suivie de très près par la communauté internationale. Cette série d'audiences a pris fin avec l'UPC. Le président et son équipe ont aussi apporté leur soutien au chef du gouvernement pour le bon déroulement des élections et du processus d'enrôlement en cours. En tant que parti politique, partie prenante donc du processus actuellement en cours, il nous a paru opportun de revenir redire tout notre soutien et notre appui à la transition et à ses autorités. Et nous, en tant que parti, on prend cette question de l'enrôlement au sérieux au point que demain, je conduis une délégation du parti dans le Stade Matenga pour rencontrer des jeunes dans des villages et les inciter à aller s'inscrire donc, sur les listes électorales. Cap à présent sur Bamako, le ministre de l'administration territoriale y effectue une mission. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu Auguste Barry, qui était porteur d'un message du président du Faso à son homologue malien. Le point des échanges avec nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Ernest Kambiri. Bamako, sur les rives du fleuve Niger, au palais de Koulouba. Nous sommes en début d'après-midi, ce jeudi 4 mars 2015, lorsque le président malien Ibrahim Boubacar Keïta reçoit pour la première fois en terre malienne une délégation officielle burkinabé après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Porteur d'un message du président du Faso, président de la transition Michel Kafando à son homologue malien,
la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Auguste Denis Barry, s'est longuement entretenue avec le locataire du palais de Koulouba sur l'action bilatérale et de coopération entre les deux pays. Nous avons profité également pour faire un point de situation sur la transition qui est en cours au Burkina depuis le début du mois de novembre 2014. Nous avons rendu compte également à son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta des perspectives en termes d'organisation des élections à venir dans le pays pour faire en sorte que la transition puisse aboutir à la mise en place d'institutions constitutionnelles. Nous avons également eu l'occasion de saluer l'intervention de son Excellence durant la période difficile que notre pays a vécue pendant l'insurrection et la période également qui s'en est suivie. Nous avons eu également l'occasion de recevoir des conseils de la part de son Excellence sur la conduite du processus de transition. Et nous avons reçu également de lui des informations relatives à la signature par l'État malien de l'accord d'Alger et qui devrait permettre évidemment au peuple frère du Mali de normaliser donc la situation qui, comme vous le savez depuis quelques mois, est assez préoccupante en termes, n'est-ce pas, de stabilité, en termes de sécurité. La rencontre avec le chef de l'État malien et la délégation gouvernementale burkinabé a été également mise à profit pour échanger sur des questions liées au vécu quotidien des Burkinabés vivant au Mali et vice-versa, autrement dit sur des questions d'intérêt commun. Vous savez que nos deux pays sont liés, et c'est trivial de le dire, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la géographie, et à plusieurs égards d'ailleurs. Et de ce point de vue, son Excellence nous a rassurés de son accompagnement, de l'accompagnement du peuple malien pour que la transition se déroule, en tout cas, correctement dans notre pays. Nous avons également rassuré son Excellence du soutien du Burkina sur tout ce qui permettra à ce pays frère d'aller vers une sortie définitive de crise, donc au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta s'est même donné quelques minutes pour faire admirer à ses hôtes d'un après-midi une vue plus large du paysage cosmopolite de la capitale malienne, Bamako, où l'hospitalité légendaire rime avec tradition. Au cours de son séjour, la délégation a rencontré les Burkinabés vivant dans la capitale malienne. Les préoccupations qu'ils ont exprimées tournent entre autres autour de leur participation aux élections de 2015. Des précisions toujours avec Adama Guiti et Ernest Kambiri. Deuxième étape des missions gouvernementales de sensibilisation et d'information sur le processus de la transition et sur le report du vote de la diaspora burkinabé à l'élection présidentielle de 2015, la rencontre a été un prétexte saisi par la délégation gouvernementale pour échanger sur les préoccupations des Burkinabés vivant au Mali, estimées à plus d'1 500 000 compatriotes selon les chiffres du secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. La délégation conduite par Auguste Denis Barry, ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, est composée du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Barthélémy Kéré, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, l'ambassadeur Jacob Pasgo, et du secrétaire du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, Alexandre Ouédraogo, a échangé pendant près de 3 heures à bâton rompu sur la conduite de la transition et surtout sur le report du vote des Burkinabés de l'étranger. Faisant le point du processus de la transition en cours, le ministre Auguste Denis Barry s'est appesanti sur les raisons de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, les actions en cours pour rétablir la justice et la fracture sociale, pour maintenir la sécurité du territoire, pour lutter contre la corruption et aller à une réconciliation véritable de tous les cœurs de Burkinabés. C'est une opportunité qui n'arrive pas tous les jours. Et ensuite, pouvoir discuter, n'est-ce pas, des préoccupations avec des compatriotes, c'est, il me semble, un impératif pour un gouvernement. Et relativement aux élections à venir,
la décision qui a été prise par les autorités de sursoir à la participation des Burkinabés de la diaspora aux élections donc à venir, c'est une décision douloureuse. Mais à travers les échanges, nous avons compris que le gouvernement a été compris. Maître Barthélémy Kéré, président de la CENI, est quant à lui revenu longuement sur les difficultés financières et organisationnelles pratiques qui ne permettront pas aux Burkinabés de la diaspora de prendre part à l'élection présidentielle de 2015. Le fait aujourd'hui d'attendre toujours le code électoral et donc que le délai effectivement qui nous était donc accordé soit réduit. Vous savez qu'initialement nous avions envisagé une seule élection présidentielle qui était prévue pour le 29 novembre. Cette fois-ci, nous avons trois scrutins, dont un scrutin couplé qui va avoir lieu donc au mois d'octobre. Donc les délais sont raccourcis et les contraintes financières sont devenues encore plus importantes. C'est objectivement plus difficile. Tout en saluant la démarche de l'exécutif de la transition d'aller apporter plus d'éclairage sur certains sujets d'actualité aux compatriotes établis hors des frontières burkinabées, la diaspora burkinabé au Mali s'est dite toutefois offusquée du report de leur participation au vote de la présidentielle de 2015. Elle pense que le Burkina et l'exécutif de la transition a raté une occasion historique d'enclencher une nouvelle dynamique de consolidation et de renforcement de la démocratie au Burkina. Et nous sommes davantage mécontents. Et pour dire la vérité, c'est une grosse frustration. Sur le point des élections, comme a dit le président des jeunes, nous ne sommes pas contents. Mais nous n'avons pas le choix. Et puis, puisque c'est un problème aussi d'argent, donc maintenant, nous ne souvenons que le pas de la transition. Qu'à cela ne tienne, Abdramane Sawadogo et tous les autres compatriotes burkinabés qui ont pris part à cette rencontre en appellent au sens élevé du civisme et d'intégrité des uns et des autres afin de ne pas compromettre l'issue heureuse de la transition et le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Revenons au Burkina Faso où la date du procès du PDG du groupe Obouf est connue. C'est le 17 mars prochain. L'audience qui sera publique se déroulera dans la grande salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le procureur du Faso en a parlé avec les hommes et les femmes de médias. Le point avec Bouma Ernest Nébier et Nathalie Sawadogo. La procédure judiciaire suit son cours dans l'affaire des canettes périmées de Obouf. Le PDG de la société séjourne actuellement à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Lui et plusieurs autres personnes sont en attente d'être jugés le 17 mars prochain. C'est la principale information donnée par le procureur du Faso au cours de cette conférence de presse. Les chefs d'accusation les voici. Nous avons 14 personnes qui sont donc poursuivies. Et ces 14 personnes sont composés d'une personne morale, à savoir la société Obouf, et 13 personnes physiques, dont le PDG de la société et le DG de la société. Ces personnes sont poursuivies pour les chefs de tromperie de consommateurs, provocation de l'emploi à la falsification d'appareils propres à la falsification et de complicité pour les autres qui ont aidé et assisté les principaux acteurs dans cette entreprise. Et toutes ces personnes physiques ont été placées sous mandat de dépôt en attente de jugement. Et nous vous assurons que l'audience du 17 mars aura bel et bien lieu. Selon le procureur du Faso, les avocats de la société mise en cause avaient demandé la transaction. Une idée que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a rejetée. La transaction, on pourra dire que c'est la possibilité que la loi offre à l'administration pour pouvoir discuter avec une personne mise en cause sur l'éventualité de reconnaître les faits et de payer une certaine somme contre une non-poursuite. Alors, il y a une seconde procédure que nous avons engagée parce que nous avons un certain nombre de questions auxquelles cette procédure de flagrant délit ne peut pas donner réponse au regard de la rapidité de ce qui peut se faire au cours de cette audience où nous n'avons pas de solution. Si nous avons choisi de saisir le juge d'instruction à travers deux infractions.
Nous avons l'infraction d'administration de substances nuisibles à la santé et celle de contrebande, qui est une infraction douanière. Alors, le juge d'instruction est déjà saisi. Il a procédé à l'inculpation de toutes les personnes physiques qui ont été déférées devant lui et des mandats de dépôt ont été décernés contre toutes ces personnes. Et nous disons toujours dans notre jargon que le dossier suit son cours. Le procureur du Faso s'est également prononcé sur la grève de la faim de l'avocat de Obouf. Selon lui, il ne s'agit pas d'une grève de faim, car le manifestant qui dit protester contre la procédure judiciaire en cours ne s'est pas privé de nourriture pendant sa grève. Le ministère de la Santé veut offrir aux malades et à tous ceux qui pourraient en avoir besoin de meilleures conditions d'accès aux produits sanguins. Pour cela, il faut des ressources financières et c'est pour les mobiliser que les acteurs du département de la Santé et leurs partenaires techniques et financiers ont eu une séance de travail. Nathalie Sawadgo. Selon la représentation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, le centre de transfusion sanguine de Ouagadougou enregistre un taux de donneurs volontaires de 71%. Dans les régions, le taux de donneurs volontaires se situe entre 20 à 25%. L'objectif visé par le gouvernement burkinabé est d'atteindre un taux de 100% de donneurs volontaires sur toute l'étendue du territoire. D'où cette rencontre des cadres de la santé et leurs partenaires. Autour de cette table ronde, ils vont chercher des voies et moyens pour mobiliser des ressources en faveur de la transfusion sanguine. Particulièrement, nous avons voulu aujourd'hui nous focaliser sur la question de la transfusion sanguine. Vous savez que le sang est un élément essentiel. Vous savez que la transfusion sanguine, dans les protocoles de prise en charge des patients, s'avère un élément incontournable et vous n'ignorez pas aussi que quand vous regardez notre profil épidémiologique, notamment lié à la mortalité des enfants, à la mortalité des femmes, il est indispensable pour nous de travailler à ce que nous puissions davantage mobiliser des ressources. Les partenaires réitèrent leur soutien au gouvernement. Nous devons arriver à avoir des donneurs volontaires, pas seulement les donneurs familiaux, mais des donneurs volontaires jusqu'à 100%. Nous ne sommes pas encore là au niveau du Burkina Faso. La deuxième chose la plus importante pour laquelle nous sommes ici, c'est évidemment pour nous assurer que les partenaires qui sont là comprennent vraiment toute l'importance de la du sang en termes de qualité. En termes de qualité parce que le sang peut transmettre des maladies. Vous le savez, l'HIV, les hépatites, la syphilis et d'autres microbes. Nous avons, au bout de plus de 10 ans, atteint un certain nombre d'acquis très importants. En termes d'infrastructures, vous avez les CNTS, vous avez les CRTS en région, vous avez les DPD, les dépôts préleveurs distributeurs. Des acquis ont été déjà engrangés, certes, mais il faut redoubler d'efforts, dira le ministre de la Santé, car d'énormes défis restent à relever. Cette rencontre se tient dans le cadre d'un plaidoyer pour la mobilisation des ressources particulières pour le sang. Elle devrait permettre de dégager des solutions pour offrir un meilleur état de santé à la population. L'incivisme est un phénomène qui ne passe pas inaperçu, surtout sur les routes. La Société africaine de cycle Héro a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau. La société a offert pour cela une douzaine de motos aux forces de sécurité de la ville de Ouagadougou. Retour sur cette cérémonie de don avec Rufin Bationo et Frédéric Etienne Bassenga. 12 motos pour appuyer les forces de sécurité de la ville de Ouagadougou. C'est un geste de la Société africaine de cycle Sakero qui entend par cet acte contribuer à combattre. Nous avons remarqué ces deux jours l'accroissement du grand banditisme. Et nous, étant citoyens, il fallait faire ce geste aussi pour accompagner nos forces de sécurité. Le coût total fait 13 millions de francs CFA.
Pour les forces de sécurité, cette dotation en plus d'aider à résoudre l'épineuse question du déplacement des agents permettra d'allier rapidité et efficacité dans les différentes interventions. C'est un geste qui est venu à point nommé. Parce que vous savez que ces derniers temps, on note une recrudescence de l'incivisme, on note également une recrudescence de l'insécurité. Donc ces moyens de locomotion, ces moyens de transport qui viennent d'être mis à la disposition de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale vont contribuer à améliorer, à accroître les capacités opérationnelles de ces services de sécurité. Les forces de sécurité ont rassuré le donateur quant au bon usage qui sera fait de ces motos. Ils ont par ailleurs invité les autres entreprises et les sociétés de la place à emboîter le pas à Sakero. Le dernier élément de ce journal, c'est la revue de presse. Tous consacrent leurs manchettes à la rencontre entre le président du FASO et l'armée. Les quotidiens commentent également la décision des pouvoirs publics d'accélérer le traitement des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. Le tour de l'actualité dans les quotidiens, c'est avec Godefroy Bazé. Mes confrères commentent abondamment les décisions prises par le Conseil des ministres de mercredi dernier pour accélérer certains dossiers de justice. Pour notre temps, en sonnant la fin de l'impunité, Kafando et Zida semblent enfin se réveiller de leur sommeil de 3 mois, pourvu que de tels actes forts se poursuivent. Le journal Le Quotidien estime que si ces affaires sont jugées, ce sera un grand pas vers la réconciliation nationale et l'apaisement social. Et de poursuivre que la réconciliation au forceps menée par l'ex-régime ne pouvait être sincère ni productive à cause d'une tare congénitale, l'absence de justice. L'observateur Palga prêche pour les causes orphelines. Il faut se garder de ne s'intéresser qu'aux cas les plus emblématiques et les plus médiatiques, car même ce sont elles qui sont sous le feu des projecteurs, on aurait tort d'oublier ce que nous avons toujours appelé les causes orphelines. Et orphelin pour orphelin, aujourd'hui au Faso évoque le dossier Thomas Sankara en indiquant qu'il n'est qu'à son début. Le gouvernement burkinabé est donc sous pression et doit répondre vite à ces questions. Quand est-ce que aura lieu l'expertise? Quelle suite lui sera donnée? Un juge militaire sera-t-il désigné pour instruire à charge et décharge? Et quel juge pour un dossier aussi balèze? Tous les quotidiens reviennent enfin sur la rencontre entre le président du FASO et l'armée. Le journal Le Soir explique dans ses colonnes que l'union prêchée par Michel Kafando est réalisable si on ne règle pas les problèmes de personnes et d'ambition, moins que ceux corporatistes, il serait inutile d'espérer une transition qui aboutisse et qui remplisse son contrat. On s'unit, indique mon confrère, quand on s'aime. Le contexte actuel est loin de préparer l'amour entre frères d'armes à l'intérieur et entre l'armée et les citoyens. Il faut arriver, poursuit le journal, à faire en sorte qu'au sein de l'armée, les uns et les autres se fassent confiance. Ensuite, créer cette même confiance et l'amour entre cette armée et les citoyens. Le Burkina a perdu aujourd'hui un des acteurs de sa construction de l'après-indépendance de la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso, le général Tiémoko Margarango, qui est décédé ce 6 mars à Ouagadougou. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous.